Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre excellente chaîne de l'information Lumière de l'Info. Ici, nous vous illuminerons sur les actualités africaines et même mondiales. Nous vous prions juste d'être courtois et polis. Avant de commencer, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester proactif sur les actualités et posséder le pouvoir de l'information. Merci et bon visionnage. Burkina Faso. Au moins une centaine de civils tués ce samedi à Dassa, dans la province du Sangier. Au Burkina Faso, au moins une centaine de civils ont été tués par des hommes armés ce samedi à Dassa, dans deux villages de la commune de Dassa, dans la province du Sangier. L'attaque intervient après des opérations de sécurisation menées par des forces de défense et de sécurité, accompagnées de volontaires pour la défense de la patrie, en abrégé VDP. Ce sont des hommes armés à moto qui sont entrés dans la commune de Dassa et ouvert le feu sur les habitants, explique un ressortissant de la région. Au même moment, un autre troupe d'assaillants fait irruption dans une autre commune dans la même province et s'en prend aux populations. Des hommes armés étaient à la recherche de certains VDP, mais les habitants ont refusé de donner les noms. Des volontaires du village expliquent notre source. Selon une autre source locale, ces attaques ne sont que des représailles contre les populations, suite à des opérations de forces de défense et de volontaires pour la défense de la patrie dans la province du Nayala. L'armée burkinabé a mené une vaste opération anti-djihadiste dans la province voisine du Nayala, où plusieurs bases terroristes ont été détruites et du matériel récupéré. Des opérations qui auraient contraint les djihadistes présumés à se replier dans la province du Sangui, d'où cette pression sur la commune de Dassa, en environ 140 km à l'ouest de la capitale Ouagadougou. Merci. Merci les amis d'avoir suivi la vidéo et surtout n'hésitez pas à laisser vos avis et vos requêtes en commentaire. On en prendra charge pour vous satisfaire dans les vidéos à venir. Merci et à très bientôt. Bye bye.